Salut tout le monde, c'est Thème au God de Team Zombie Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Jak and Daxter The Precursor Legacy. Donc on avait fait la première partie de la cité perdue des précurseurs, on avait suivi les tubes colorés et on était déjà à 6 mécamouches et 85 sur 200. Donc on va continuer, c'est la deuxième partie et puis c'est parti. Oh, j'ai chaud. C'est parti. Alors on devait aller en dessous là. On va tenter un truc de fou pendant que l'eau est bleue. Voilà. Voilà, voilà. Donc cette pièce là, on l'a fait au top. Alors on va faire ça. D'accord. Donc ça, c'est des. Ouh, ça va pas m'amuser ça. Ah, et ben voilà. Vous voyez, ça commence déjà. Bon, je vais prendre la pile déjà. Je vais prendre la pile d'énergie. On s'occupera des orbes après. Super. 60 sur 60. On prend les armes doucement. Et fait doucement. Hop. Ça, c'est quoi ça? Il y a des pics autour de leur truc là. Je vais pas m'y frotter. Je vais pas m'y frotter, j'ai dit. On prend les orbes. On prend les orbes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il me tombe dessus. Il me tourbillole. Ah! Il me tourbillole. D'accord, on va faire une attaque plongeante pour casser leur cage en attendant qu'ils aient fini de tourner. C'est quoi ça? D'accord, ça sert à rien. Ah mince! Comment je vais ouvrir ça? Il n'y a pas d'écho jaune. Gauche ou droite, les amis? Gauche, là il y a le méchant, droite. On va aller à droite parce que je... Ah mais là il y a de l'eau et des tourbillons. Bon, allez, on va tenter. Ça va être chaud. On va tenter. Hop, allez, allez. Oui, super. En fait, c'était facile. Un truc comme tout à l'heure là. Hop. Ouh là là. Alors lui, il va me faire chier, je le sens bien. Allez, viens pendant que t'as pas de pipe. T'as pas de pique, oui, super. D'accord. D'accord, donc il faut sauter sur tous pour que la porte s'ouvre, j'imagine. Alors, on va tenter un ordre. Ouais, ça marche. Ça marche. Easy money. Hop là. Et une pile d'énergie. Ah, oula, oula. Vincent. Une pile d'énergie en plus. Super. Franchement, j'adore la cité perdue de précurseur. C'est juste magnifique, ces couleurs, la bleue, tout ça, avec la mer et tout. En plus, c'est un peu comme l'Atlantide. Alors, c'est vraiment génial, ça fait plaisir. Des décors aussi somptueux et beaux comme ça. Alors, on va revenir, on va continuer en attendant. Culopage jaune, voilà, hop, super. Oula. Donc là on va à gauche, je reviendrai pour prendre la cage que j'ai pas pété. Je sais pas encore comment je vais la péter, mais on va y aller. Hop, et oula, oula, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Il y a une pile d'énergie là-bas. Taper là. Ok. Allez, dépêche, 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 dépêche. J'ai chaud. Heureusement que j'ai sauté parce que sinon. J'y passais. Hop, une pile d'énergie en plus. On continue sur notre lancée. 62. Et j'imagine que c'est le voyage retour. Merde, je perds du temps encore une fois. Et voilà, j'ai déjà presque plus de temps. Ah et voilà, j'étais sûr que j'allais y passer. C'est pas grave. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va continuer en prenant bien tous les orbes précurseurs, sinon c'est nul. Allez Vincent, concentre-toi. Concentre-toi Vincent. Tu peux le faire, tu peux prendre tous les orbes d'un coup. Sinon tu seras obligé de tout refaire. Oui, on est chaud. On est chaud. Toi, dégage. On a tout pris, hein. On est
131 sur 200. Parce que je rappelle quand même que l'objectif, c'est d'avoir tous les orbes précurseurs du jeu, c'est-à-dire 2000. Et c'est chaud hein, pour le faire, ça va être chaud. Arrête-toi. Super. On va prendre les trois là-bas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Tranquillement. Donc j'espère que vous aimez. Oh, il m'a pas respecté. J'espère que vous aimez ce let's play. Ça me fait plaisir de vous le faire partager. Et puis on va continuer. Tout doucement. Oulala. J'ai trouvé une salle. Quand là, je suis encore dans la merde, encore une fois dans la merde, parce que parce que tout simplement, j'ai plus qu'un quart de vie. Je sais pas à quoi ça sert ça. Je sais pas. Je vais plutôt aller là. Je vais voir ce qui se passe parce que là, j'ai l'impression plus que ça se termine là, alors que pas du tout. Je sais pas. Non, ça continue là. Donc voilà. Je vais plus aller là. Et on va voir ce que ça fait. De toute façon, je suis sûr que je vais devoir repasser là pour rentrer à la surface. Et la mécamouche. Là, c'est vrai, j'y avais pas pensé, j'avais pas vu que c'était la 7ème. Mais ça me fait une pile d'énergie en plus. Et c'est parfait. 63. Oh là 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 là. Tellement d'avance sur ce qu'ils ont prédit. Alors là aussi, pareil, on va essayer de prendre tous les orbes précurseurs d'un coup pour éviter de les rater et de revenir après. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Ah oui, tiens. C'est ce qu'il fallait. Pourquoi me l'avoir pas mis plus tôt sur le chemin? Bon, bah on va recommencer au moins. On respawn pas hyper loin. C'est juste là, à côté. On était bien parti. On avait bien pris tous les orbes pour l'instant. Donc bon. Hein, on va recommencer. On va continuer. Hop. Hop. Voilà. On est chaud. On est chaud les gens, on est chaud. Ah oui, là c'est beau. C'est beau. On y arrive. On y arrive d'un coup. Oulala. Par contre là ça se complique un peu. Non, je l'ai raté. Ah, voilà. Et j'en ai raté. C'est-à-dire qu'on va devoir revenir. C'est ça que je ne voulais pas. Bon, au moins il y a une pile d'énergie. Hop. Et c'est quoi ça? D'accord, c'est un piège. Oui, je vais courir, c'est sûr. Bon, 64 piles d'énergie, c'est déjà ça. Trampoline! C'est déjà ça, au moins on a 64 piles. C'est une salle d'écho noir. C'est super sympa de nous l'avoir mis là. Avec des œufs précurseurs, on les ramasse tous. Allez, Jack. Ah mais non, et voilà. Encore une fois, il m'a fait le coup de je te fous le truc sur la tête et bah en fait je le retire juste avant que t'arrives. Oh, c'est pas croyable ça. Ouais, au moins. Non, on connaît le parcours. Mais je l'avais pas vu en même temps. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, je ne l'avais pas vu. Au moins, là on trace. On éclate tout ce qu'il y a sur notre passage. Voilà. C'est vrai que comme ça en collimation comme ça. On voit pas forcément ce qui arrive devant. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Dégage. Ah vous voyez, ça c'est chaud. Et le trampoline. Ah ça continue, c'est pas fini. Ah, non, c'est... Allez, aide-moi. Ce n'est pas fini. Allez. Oh j'ai chaud. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Ah, il y a un trampoline. Ah oui, un trampoline. Wouhou! Yes! Au calme! Oui, super, une pile d'énergie encore. Super. Tac, 65.
Du coup, on a combien de... On a combien de... On est dans un de 4, quoi. 4. 4. C'est pas possible. Non, c'est 4, non? Ouais, 4. C'est ce que je dis. On va devoir repasser, repartir. Là-bas, il me restait quelque chose à prendre, je crois. Ouais, voilà. Là-bas, voilà. J'ai trouvé peut-être un moyen de prendre le ce qui est, voilà, la boîte là. Il nous restait une boîte. Je pense qu'il y en a dedans. Alors, j'ai une idée. Je vais les attirer dessus. Peut-être qu'avec leur pic, ils pourront la péter. Viens là. Allez, venez, petit. Oui, voilà, j'avais dit quoi. Oh, cette puissance. C'est-à-dire qu'il nous en reste plus que deux. C'est faisable, les gens. Ouh, dépêche-toi. C'est faisable, c'est super faisable même. On va revenir là-bas parce que j'ai loupé des orbes précurseurs. Ça m'énerve, je dois revenir. Excusez-moi, du coup, je dois tout refaire. Ça nous ramène. Oh, regardez à l'extérieur des vitres. Regardez le paysage. Franchement, c'est pas beau. C'est magnifique. C'est franchement beau. Je suis content. Donc on avait. Voilà, on devait aller là-bas parce que là, on n'a pas été. On ira quand je l'aurai décidé. Et je suis bête. Voilà. Alors j'ai envie de tracer parce que voilà, j'ai pas envie de tout refaire vivre le truc. Donc on repart là. C'était une boîte blindée. Donc je l'avais ratée après un saut. Que je vais réussir cette fois. Est-ce que je vais réussir cette fois? J'ai eu chaud là. Là, j'ai eu chaud les fesses. Ah, mais fuck this man! Crève, voilà. Voilà, crève. On va revenir. Ah, oh, fais chier. Chewing-gum? Il se croit drôle en plus. Ah, ça m'énerve. J'arrive pas à la voir. C'est toujours après avoir sauté que ça m'arrive. Allez, on y va, les amis. On retente. Je suis désolé. Je sais pas jouer. Mais c'est les deux derniers là. Il nous faut ces deux derniers pour avoir tous les orbes de la zone. Parce que bon, c'est toujours ça de prix. Alors, on continue. Allez, c'est parti. On est chaud là. Là, cette fois, on réussit. On y va. Oui, voilà. Oh, super. D'accord, donc on doit retaper. Bon, au moins, le principal, c'est qu'on a tous les orbes de l'endroit. C'est super. Alors, déjà... Oh, genre, il m'a eu. Je me suis trompé de bouton en même temps. J'ai sauté alors que je voulais taper. On l'a déjà fait, hein. On sait de quoi ça parle. On sait que c'est facile à faire. Quel est leur cœur, franchement? Si je les tapais pas, ils disparaîtraient dans les cônes noirs, hein. C'est bâtard quand même. Allez, trapeau! Hop. Oh, non! Regardez-moi! Bon, non! Mais regardez-le-moi, ce chacal! Mais c'est pas possible! Quel chacal, il a pas pris son coup, il m'a fait tomber. D'accord. Oh non, Sum. Oh là là, trace de toi, dégage. Vous m'avez tous vénère, tous énervés. Toi aussi, dégage. Toi aussi. Vous m'avez tous énervé. Et voilà, et voilà, et voilà. À force d'aller trop vite aussi. On va jamais y arriver. On va jamais y arriver tranquillement. On prend notre temps, allez, c'est parti, on prend notre temps, mais arrête, on prend notre temps, on se grouille pas, faut pas se grouiller, c'est pas ça qui va nous faire gagner, si on se dépêche, là, on connaît, on peut se permettre d'aller vite, là, voilà, on attend, on prend son temps, voilà, hop, on continue, dégage. Bon, on n'est pas pressé, de toute façon les connards ne montent pas super vite, en plus on a le trampolilol. Dégage toi, c'est toi qui m'as fait tomber la dernière fois. Tu ne referas pas la même erreur. Oh là là, j'ai chaud. Oh là là, j'ai chaud. Oh là là, j'ai chaud.
Oh, j'ai chaud. Oui, accroche-toi. Allez, super. Voilà, bon. On a réussi. On a réussi. Voilà. Hop. Enfin. Enfin, on a réussi. Donc, on va redescendre là. Il y avait. Voilà, on va redescendre par là. Oh, regardez ça. Mais ça me. J'ai beau y retourner à chaque fois, ça me surprend toujours autant. Regardez comment c'est beau. On va aller dans le sas là, parce que j'avais pas terminé avec le sas. Et en plus, il nous manque une pile d'énergie, donc je suppose que c'est en rapport avec ça, voilà. On va y aller dedans, et on va appuyer. Ah, elle était au-dessus. D'accord, donc je vous ai... Voilà, j'en étais sûr. Ça nous ramène à la surface. En mode ça s'éjecter. Hop les. Waouh, vous avez fait remonter une partie des ruines submergées. Il semblerait que l'on puisse utiliser l'écho de façon encore inconnue. Une pile d'énergie est remontée avec la salle. Montez dessus pour la récupérer. Olé, on a la totale, on a la totale. Donc on a toutes les piles d'énergie du bassin précurseur, de la cité perdue précurseur. Et au passage, on a eu tous les orbes précurseurs du village des pierres. Ah, ah, au secours, non, il m'a eu. Je l'aime pas ce requin, je l'aime pas. Ah, il me fout des frissons. Oh voilà, on a tout fait, hein. Attendez, village des pierres, cité précurseur, perdu, marécage, bassin précurseur. On a rien loupé, hein. On a rien loupé, rassurez-moi. 1, 2 derrière, 3 devant. Là c'est le labo du singe, donc c'est bon. On va, ok, bon, on a tout fait. On a tout fait, les amis. Bah écoutez, je vais pas commencer un nouveau truc plus longtemps. Même si l'épisode est un peu court, je vais vous laisser là. Et puis, bah, on se retrouve pour un nouvel épisode où là, on ira affronter ça. Derrière, là, qui balance des boules de feu. Voilà. Et puis, bah, on ira par la Kira pour qu'elle soulève ce rocher-là. Donc, ça fera ce boss-là. Merci de m'avoir suivi, les amis. C'était Temogwad. Et puis, pouce vert si vous aimez la vidéo. Merci beaucoup de me suivre encore une fois. Et partagez au max, abonnez-vous, et puis merci beaucoup, ciao ciao ciao.